OK, nous allons faire ça et moi pour déterminer et forme canonique fonction ça, nous dit remarqué que ça les mêmes sont fonction polynôme de degré 2 avec a qui égale avec 2 et puis b égale avec moins 20 et puis c qui égale avec 10. Et mais là moi devons calculer et pour nous bailler forme canonique là, déjà nous avons fait démonstration, déjà nous avons utilisé formule là, mais nous pas passer par formule là, nous allons décortiquer encore même façon que nous avons fait pour formule là. On a posé f de x égale avec c 2x carré moins 20x plus 10. OK? Mais nous allons faire le même travail que nous avons fait tout à l'heure. On a factorisé par a. Mais a qui c'est 2. X égale avec c 2 facteur 2x carré. Mais ça lui-même, là-bas, moi, c'est moins 10x plus 10. OK? Quand on a là, nous allons regarder là. Nous avons x carré moins 10x, c'est le début du développement limité. Et nous avons remarqué là, x carré moins 10x, c'est déjà un début pour un développement de, par exemple, x moins 5 au carré. Bien, x moins 5 au carré, c'est là-bas, moins c'est x carré, 2 fois première par deuxième, non? Ça va moins, 2 fois première par deuxième, non? Moins 10x, ok? Et puis, plus 25, ok? Donc, on a remarqué que ça, là, c'est même les mêmes que nous avons là, mais on n'a pas ajouté 25 et puis on a retiré 25. Mais f de x ça égale 2 facteur de x carré moins 10x plus 25 moins 25 plus 10. Nous rajouter plus 25, nous retirer qui fait que 0, ça ne fait que nous pas changer rien. Kounya nous val et n'a seulement conserver ça forme ça là avec plus 25 là pour nous faire ça apparaître. OK? Donc f de x ça égale c'est 2 facteur de x carré moins 10x plus 25. OK? On met 2 ça multiplié par 5 à la bombe 50 moins 50 plus 10. F de x égale. Et factorisation ça lui-même, ce qui ça la bombe moins factorisation ça c'est x moins 5. C'est x moins 5 au carré. Moins 50 plus 10, ça va être moins 4. Moins 4. Mais là, ça c'est forme canonique fonction. OK, nous avons fait une forme canonique fonction, c'est développement. Mais kounya, et si nous avons fait une forme canonique fonction avec formule que nous avons démontré tout à l'heure. Mais formule là, c'était qui ça? C'était alpha égale avec c moins b sur 2a. Et puis bêta qui égale avec c moins b carré. Moins ça ici. Moins 4ac. Sur 4a. OK? Et pas oublier, nous avons qu'on est a là. A lui-même qui est égal avec 2. Et puis b qui est égal avec moins 20. Et puis c qui est égal à 10. Ça fonction polynôme et second degré noir. OK? C'est 2 carré plus moins 20 plus 10. On a nous appliquer. On a nous calculer alpha. Mais alpha est égal avec c moins facteur de moins 20 sur 2 à multiplier par 2. OK? Alpha égale avec C 20 sur 4. Alpha égale avec 5. OK? Nous allons aller pour bêta. OK? Bêta est égal. C'est moins facteur de B carré, c'est moins 20 au carré. OK? Moins 4A qui c'est 2. Par C qui c'est 10 sur 4 par 2. Moins 20 au carré donne 400. OK, donne 400. Ça donne moins 80 sur 8 égale 400 moins 80, ça donne 300. Ça donne moins 300 moins 320 sur 8. OK. Là, 320 divisé par 8, ça donne 40. Et puis, il y a moins ça, qui est moins 40. Maintenant, en connaissant alpha et puis delta, nous avons posé la formule. Nous avons posé la formule. F de x qui est égal avec c a facteur de x moins alpha plus beta. F de x
égal avec c a facteur de x alpha qui c'est 5, ben moins 5, ok, x moins 5, ok, plus bêta, bêta qui c'est moins 40, ok, donc c'est ça, mettez moins 40. Ah mais à qui ça a égal? A égal avec 2, ok? A égal avec 2, et bien on mettez 2, ok? Ah mais bon, f de x égale à c'est 2 facteur de x moins 5, et puis pas oublier là, fonction c au carré, ok, c'est 2 facteur de x moins 5 moins 40, ok? Ça est forme canonique là, ok? On y a nous calculer et forme canonique fonction, les décomposer fonction normalement et puis nous développer. Et même j'en tout, nous calculer tout, les appliquer formule que nous avons démontré. Et déjà, nous vous remercions de ce que vous avez regardé la vidéo. Vous avez appris tout ces exercices pour faire la carrière. Et puis, vous pouvez mettre les résultats pour nous dans les commentaires. Si vous avez f de x qui est égal avec 4x carré moins 60x. Plus 80. Ok? Donc, on fonctionne comme ça. Et puis, nous demandons vous pour écrire sous forme canonique. Ok? Merci d'être regardé la vidéo. Et pas oublier vous-même qui pouvez faire ça. Abonnez avec la chaîne là. Et puis, partagez la vidéo. Et puis, nous apprenons l'autre vidéo. Ciao, ciao.